2, 1, 2, 3, 4. Un esprit torturé, quelqu'un avec de l'argent, un commercial. Tu vois, ce sera mieux pour nous deux. Comme ça, j'aurais plus à souffrir. Ou un prof, tiens, un prof d'histoire géo, peut-être. Enfin bon, en tout cas, je te quitte. Mais t'inquiète, tu trouveras une autre minette. Non, ça peut pas se passer comme ça, chérie.
content qu'on essaye? Ouais, vas-y, j'essaye. Avec ses deux grosses mains et sa grosse barbe blanche, et dit d'une voix qui fait trembler la terre, les cieux, a provoqué des séismes dans le studio de Mavrika et de Radio Arc-en-Ciel, à faire trembler la terre d'Orléans. Ce gros fainéant me dit: salut! On avait dit une voix ténébreuse, surpuissante, qui fait trembler la terre, le studio de Radio Arc-en-Ciel, Mavrika, etc. Ouais, mais écoute mon gars, comment tu crois que j'ai pécho la Vierge? Faut se garder en forme un peu, hein. Ok. Bon alors, qu'est-ce que tu veux, mon coco? Bah t'as pas entendu toutes mes prières, mes SMS là, je te dis, j'arrête pas de pleurer. Ce matin, ma femme m'a quitté. Après, j'étais parti en répétition, j'ai fait tout, hein. J'ai essayé les menaces en disant « Écoute, chérie, reviens, sinon je me fous un coup de revolver. » Et rien à faire, elle veut pas revenir, quoi. Et même la serveuse de la tavola, là, elle arrête pas de me poser des lapins. Je comprends rien, faut faire quelque chose, Dieu, s'il te plaît. Fais quelque chose, je t'en supplie. Ouais, alors ton histoire, ça me rappelle un truc, là. Il y a deux apôtres comme ça... Je crois que c'est JB et Paul, un truc comme ça. Ils m'ont dit ouais Seigneur, on n'arrive pas à trouver des meufs, tu veux pas nous aider quoi? Je leur ai dit bah les gars, vous faites une belle paire de seins. Ok. Non, non. Bon, enfin pourquoi pas. Ok. Après tout on est. Enfin voilà, ouais. C'est liberté de parole. Ouais, du coup, bon, bah, je peux te donner un ou deux conseils si tu veux. Bah, je veux bien, parce que tu vois, je suis à genoux devant toi et que j'attends que ça. Tu veux pas faire apparaître une jolie fille qui ne rêve que de moi? Bah, ça, c'est pas possible. Bon, sinon, parce que j'ai déjà essayé de faire passer un message tout à l'heure par Albino en disant voilà, on cherchait des minettes, quoi, après l'émission de radio. On fait quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi un conseil. Bon, si je me suis bien démerdé, ce soir tu joues donc chez Mavrika à Radio Arc-en-Ciel. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Il doit avoir des bières là-bas. Bah, il me semble qu'il en a emmené. Ouais. Mais à consommer, pas dans le studio, hein, par contre. Hein. Bon, ce que tu vas faire. Tu vas sortir là. Ouais. Tu vas aller demander une bière, ok? Ok. Première étape du conseil. Ouais. Deuxième étape du conseil, tu vas boire ta bière. Ok. Troisième étape du conseil, tu vas aller redemander une bière. Et quatrième étape, tu vas boire ta bière. Ouais. Et cinquième étape, tu vas aller redemander une bière. Sixième étape, je redemande une bière. Septième étape, je redemande une bière. Huitième étape, je redemande une bière. Ouais, tu comprends vite. Alors, c'est Bertrand qui va me ramener, alors, parce que si je suis bourré comme ça... Non, mais j'ai pas envie de finir avec mon pote. Ouais, oh, t'inquiète, je... Ça arrivera pas. Enfin, je crois pas. Donc, en fait, je croise une nana dans la rue et je l'emballe.
bal en étant complètement bourré. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Merci Dieu, je t'en prie. De rien. Et Dieu raccroche. Cette histoire, c'est qu'il faut jamais écouter Dieu et ses apôtres.